Le tombeau du Christ. Deux ans après l'arrestation surprise de tous les templiers du royaume de France à l'aube du vendredi 13 octobre 1307, le catalan Raymond Lull déclarait ⁇ Il existe sans doute de nombreux secrets chez les chrétiens. Parmi eux, il en est un, en particulier, qui représenterait une révélation incroyable, comme celui que livrent en ce moment les templiers. ⁇ si une telle infamie était rendue publique et manifeste, elle mettrait en danger la barque de Saint-Pierre. J'ai souligné deux mots qui résument toute l'affaire, incroyable et infamie. Le qualificatif d'incroyable désigne une information surprenante par son caractère excessif et démesuré et qui ne pouvait être imaginée. Le qualificatif d'infamie Désigne quelque chose de malhonnête et honteux. J'ai montré dans une vidéo, le secret des titulus et des N inversés, que le Christ, qui est le Nazoréen roi des Juifs, n'a pas été crucifié et que la résurrection est une imposture. Dans une autre vidéo, Le grand secret religieux de Léonard de Vinci, j'ai montré au travers de quatre de ses peintures que, selon lui, le crucifié serait Jean le Baptiste, soi-disant décapité. Dans le mystère du Baphomet, j'explique que les templiers dont l'ordre a été créé, selon moi, pour garder caché dans leur azès le tombeau du Christ et retrouver l'Arche d'Alliance, auraient découvert le poteau rose et adoré en secret Jean le Baptiste. L'existence de deux messies est explicite dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc, est mise en évidence dans le Cantique de Zacharie, qui commence en 1,68, ainsi que la station 14 du chemin de croix de Notre-Dame de Marseille près de Limoux, où l'on voit le Christ porter le crucifié. Le christianisme a fusionné les deux messies en un seul, mais il y a 2000 ans, les juifs attendaient deux messies opposés mais complémentaires. Un messie royal d'origine davidique, ayant pour mission de délivrer Israël et un Messie sacerdotal de la lignée d'Aaron. Le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, en 4, 1 à 14, cite deux oliviers à la droite et à la gauche du Seigneur, qui sont les deux ouins, c'est-à-dire Messie, et les écrits de Damas citent les Messies d'Aaron et d'Israël. Procédons à un petit rappel de mes découvertes. Le Christ, qui est le Jésus Barabbas libéré par Pilate, a caché sa famille dans le Razès, Marie de Béthanie, plus deux fils, Menahem et Eléazar, qui se distingueront en 66 à Jérusalem puis Massada. Fils caché, Bar-Abbas, de Judas de Gamala. C'est le chef des Zélotes et l'instigateur de toutes les insurrections juives, depuis celle qui a précédé son arrestation la veille d'une Pâque à celle de 66, ainsi que de l'incendie de Rome en 64, ordonné dans Apocalypse. Les reliques de jésus Barabbas se trouvent dans l'Eurasès, qui est l'épicentre du grand secret. C'est pourquoi il y existe un si grand nombre d'églises cryptées montrant un Christ vivant. Rennes-le-Château, station 14, campagne sur Rode, Esperanza, ou bien l'existence de deux Jésus, Rennes-le-Château, Esperanza, Notre-Dame de Marseille, étant l'inventeur des coordonnées ulpian, ancêtre des coordonnées polaires, qui était le secret des géomètres templiers et étant aussi le découvreur de l'écriture Grandet-Grand-Thème, centurie 866, recherchée en vain depuis plus de 500 ans, je vous ai révélé au fil des ans l'emplacement des reliques des deux Jésus, messie. Quand l'écriture Grandet-Grand-Thème trouvée, et cave antique à lampe découverte, loi roi et prince ulpian éprouvé, pavillon reine et duc, sous la couverte, centurie Vous pouvez voir sur une carte de la Nouvelle Jérusalem IGN qui a 2347 OT le point A2 qui désigne l'emplacement sur les pentes du mont Cardou de la crypte dans laquelle sont déposés les os du Christ Jésus Barabbas ainsi que l'explique Nostradamus dans la Centurie 6,66. Je cite, Au fond, demande la nouvelle secte, seront les eaux du grand Romain trouvé, sépulcre en marbre, apparaîtra couverte, terre tremblée en avril, mal enfouie. Le A2 désigne le Christ alpha, c'est-à-dire brut suggéré par le XPA de Arcadia de la dalle-papier attribuée à Marie de Nègre, en sous-titrage du baptistère comme en theta second premier du petit parchemin, apocryphe de l'énigme de Rennes-le-Château. Revenons un instant à la carte de l'abbé Henri Boudet, de la vraie langue celtique, publiée en 1886. Elle indique l'emplacement des reliques des deux Messies, égal Sauveur, à cet instant T, sans préjuger de leur devenir. Pour le comprendre, il faudra attendre son décès en 1915 et les inscriptions de sa tombe. Il en ressort que sa carte, voir le mystère des deux Jésus, pages 195 à 198, et la carte du Graal. Lors de leur redécouverte, à la fin du XIXe siècle, par les prêtres Razès, les reliques du crucifié qui est Jean le Baptiste se trouvaient dans le cimetière de Serres, lieu particulièrement bien choisi pour cacher un mort. Le remplacement, entre la route et le Rialsès, est figuré par un point, devant le mot Rialsès, que Boudet désigne comme Dieu, symboliquement représenté par un point dans un cercle ici le cercle et le cromlech. L'identité de Dieu, en conformité avec mes autres recherches, peinture de Léonard de Vinci, baphomet, cantique de Zacharie, etc., est donnée par le numéro de la page 246 de la vraie langue sciatique qui correspond à la fête du Baptiste le 24 juin. Lors de leur redécouverte en 1781, les reliques du Christ roi des Juifs, qui est l'imposteur Jésus Barabbas, pseudo-ressuscité, se trouvaient à l'emplacement de mon point A2 pour alpha, en haut des pentes du Cardou et sur le méridien de l'église de Serres. Et ce, sans interruption, depuis 1208, veille de la croisade contre les albigeois. C'est pour cette raison que l'abbé Boudet. A suggéré un G majuscule à la place du 6 final de l'altitude du mont Cardou sur sa carte. Cette lettre G, qui fait paradoxalement partie du rituel maçonnique, ne pouvait pas passer inaperçue à un œil averti, car elle signifie Graal ou God, etc. La branche des Opoux de reine le château dont les ancêtres sont originaires de la montagne noire près de Mazanmé, dans le Tarn, posséda cette seigneurie depuis le XIVe siècle jusqu'à son extinction à la mort de Marie de Nègre en janvier 1781. Leur blason représente six coques posés trois, deux et un. Le coq est l'un des symboles du Christ et le fait qu'il soit perché sur les clochers Représente la vigilance. Les Opoul étaient-ils des gardiens chargés de veiller sur un grand secret Le testament que François Pierre d'Opoul rédigea en 1644, l'année qui précéda la découverte d'un immense trésor sur ses terres, rapporté par le gazetier Jean Lauré et qu'il remit au notaire captier d'Espiraza, disparut pour ne réapparaître qu'en 1780 dans les mains du notaire Jean-Baptiste Siot, qui n'accepta de le communiquer à Marie de Nègre, veuve de François d'Aupoule, de décédé en 1753, qu'avec beaucoup de réticence. Je cite, Il n'y aurait pas de prudence de ma part de me dessaisir d'un testament de si grande conséquence. Marie de Nègre le remit à son chapelain Antoine Bigou à la fin de l'année et mourut vers le 17 janvier de l'année suivante, en 1781. Il contenait de terribles et incroyables révélations que je vais vous expliquer et qui remettent en cause la résurrection qui est le fondement du christianisme. Saint Paul n'a-t-il pas écrit que sans résurrection il n'y aurait pas de christianisme Je le cite. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi votre foi. 7 Corinthiens, 15 à 14. Marie de Nègre d'Able, marquise de Blanchefort, est décédée à Rennes-le-Château, selon son acte de décès. Mais le caveau des seigneurs était condamné depuis le début du siècle. Elle fut donc inhumée à Rennes-le-Château et pas ailleurs selon la coutume rapportée par le chercheur Patrick Mancior dans sa revue Parlez-moi de Rennes-le-Château. Le relevé de la stèle, rapporté en 1906 par la SESA, dans son bulletin numéro 17, n'est qu'un relevé papier puisque la tombe est aujourd'hui inexistante et qu'il n'existe aucune photo. D'autre part, en raison des nombreuses anomalies relevées et outre des lettres anormales, l'existence d'une erreur sur le nom de famille, d'Arles au lieu de Dable, et l'apparition du mot Catin, il est impossible qu'une telle stèle ait pu être exposée. J'ai donc, à partir du relevé 1906, procédé à la reconstitution d'un texte plus conforme, mais néanmoins codé, que voici. Nous pouvons y observer la présence de deux lettres anormales, grand M et petit p, comme sur le fronton de l'abbaye d'Orval. Deux lettres manquantes, le E de Blanchefort et le petit p de 7. Le total des lettres est 117, ce qui est significatif. Alignement de 5 E sur deux droites, la diagonale des M, et dans la ligne où il est écrit décédé le. Nous pouvons également constater en triple exemplaire l'alignement de 3X, l'alignement de 3A, l'alignement de 3D et l'alignement de 3E. En résumé, il est trois fois répété X, A, D. d. E. Il s'agit là de l'expression du secret des lettres dévoilée par Maurice Leblanc dans herlock scholm arrive trop tard et déjà rencontrée aux pages 186 et 132 du Codex Bézaé ainsi que sur la deuxième version des Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, puis sur la version SESA 1906 de la Stèle ainsi que dans de nombreux noms et acronymes. Pour éviter de vaines controverses et établir ma démonstration, je vais revenir à la stèle publiée par la SESA, Société d'études scientifiques de l'Aude, en 1906, et vous révéler quelques-uns de ces messages cachés. Tout d'abord, la découverte du mot Graal par le chercheur Jean Bertrand. À la cinquième ligne, à partir de la fin, se trouvent cinq E dans décédé le le E étant la cinquième lettre de l'alphabet. Comptez, à partir de la première lettre, une lettre, toutes les cinq lettres, et vous obtenez le mot Graal. Qu'est-ce que le Graal Évoqué pour la première fois par Chrétien de Troyes dans Perceval. Au cours des âges, on a successivement cité une hémorode tombée du front de Lucifer, les tables de la loi contenues dans l'Arche d'Alliance, la coupe dans laquelle Joseph d'Arimatie aurait recueilli le sang du Christ ou les reliques du Christ. En tout état de cause, il s'agirait de quelque chose ou objet le plus précieux et inestimable au monde que seul un esprit pur pourra découvrir. Rendons-nous sur le terrain. Le chercheur Jacques Mazière, alias simple curieux, a eu l'idée de vérifier si la carte de la VLC, vraie langue celtique 1886, pouvait se superposer à la carte d'état-major de 1880, ainsi qu'au tracé de la stèle. Relevé César 1906 de Marie de Nègre ainsi que de la Dalle. Et il a démontré que oui. Voir vidéo de sa conférence du 17 janvier 2020. Le point, qui ne devrait pas figurer à la fin du titre, Reine celtique, est superposable au menhir des pontiles près de Pérol. Représentation du méridien zéro. En raison de son décalage vers la droite, il est possible de tirer un trait vertical entre la barre droite du N de Catin et la barre gauche du M de Marie, qui est à la première ligne. L'hypothèse qu'il s'agit d'une représentation d'un méridien devient d'autant plus plausible que le mot méridien commence par un M et finit par un N. Comme par hasard, ces deux lettres sont les treizième et quatorzième lettres de l'alphabet et sont suggérées par le LE l -E, du bénitier de l'église de Rennes-le-Château, rajouté en treizième et quatorzième position à la phrase célèbre, par ce signe tu vaincras. Ce méridien étant situé à l'ouest du menhir, pointe du M, et à proximité, est la représentation du méridien zéro de l'Observatoire de Paris. Représentation du Chrisme Le E, qui est au centre de la stèle, représente le Sauveur, Christ, au centre d'un Chrisme géant passant par la diagonale des R et la diagonale des M. Ce point bien particulier. Le E du mot DE n'y est pas venu par hasard. Pour cela, il a fallu le remonter en inversant plusieurs mots du texte qui auraient dû s'écrire avec la date du décès avant l'âge du décès. Ce E se retrouve au centre d'un X constitué par la diagonale des M, premier M de Marie et dernier M de l'année 1681 ainsi que de la diagonale des R de Harry et R de Janvier. En aucun cas, cela ne peut être le fruit du hasard, d'autant plus que l'axe vertical et médian de la stèle désigne le I d'un chrisme géant qui désigne le Christ. Le I étant l'initial de Jésus et le X l'initial du mot Christ en grec Christos. Le chrisme géant et X entrelacé, découpe la stèle et le paysage, et le centre du chrisme repose sur la lettre E que l'on peut assimiler à un sigma majuscule du mot DE. Le mot Graal, que l'on retrouve formé par la première lettre du nom de saint statut de saint de l'église de Rennes-le-Château, dessine un M ou le W des barbes du baptistère mais aussi un sigma initial de sauveur. Il s'agit donc du Christ et non d'un calice. Il ne nous reste plus qu'à localiser l'emplacement du centre du christ par la géométrie G, ce qui est un jeu d'enfant. Sa localisation géographique est à l'intersection de la méridienne passant sur le pont de Serre et d'un cercle. Ayant pour centre le menhir et pour rayon M égale 1000 toises. Représentation d'un axe médian, le haut de la stèle représentant le nord, la croix sommitale et médiane de la stèle, qui se trouve à gauche, donc à l'ouest du méridien, représenterait la première église existante, soit l'église de Serre. Voyons qui est le Christ. Le X initial de Christos, du mot 60, qui est avant le 7, anté 7, nous suggère le X de 17, qui est avant le 7. Nous traçons donc la droite joignant les deux X de la sixième et de la neuvième ligne, et qui suggère le Christ secondo primo, car né... Après le baptiste, est passé premier, qui informe par le E majuscule et le petit p, qui sont deux parties droite de ce segment de droite, qu'il s'agit de l'épée, ainsi qu'il se désigne lui-même en Matthieu 10, 34, Louis II. Je cite Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ainsi que je l'ai interprété dans Les secrets d'Arsène Lupin, épuisé. La grande coupure entre les deux parties de l'île de Sarek, anagramme de Arc pour Arc, dans le roman L'île aux trente cercueils, désignera le méridien du Christ ou des origines qui passe au milieu du village de Serre, dont le nom est un palindrome du mot SER qui désigne la Sainte Église romaine et de son contraire l'Église cathare, ainsi que nous y renvoie le secret de Teignier. Qui est dans l'anagramme de son nom, teigné égale et in serre. En l'an 2000, sous la présidence de François Mitterrand, fut inaugurée la méridienne verte qui se superpose à l'ancien méridien zéro, matérialisée par des bornes comme ci-dessous. Curieusement, la borne méridienne des pontils a été disposée à serre, qui se trouve à près de 800 mètres de son emplacement normal, ainsi qu'un deuxième médaillon. Le remplacement, à l'entrée du pont romain et de la place de l'Église, désigne un méridien passant à la fois sur la croix sommitale de la stèle, le I du Chrisme et le point A2 de ma carte, situant le tombeau du Christ sur l'une des portes de la Nouvelle-Jérusalem que j'ai découverte. J'appelle cette droite, qui est un axe majeur selon Boudet, l'axis mundi. La verticale du tombeau du Christ est située à l'intersection de la ligne méridienne passant par l'église de Serres et les deux bornes, avec la circonférence d'un cercle ayant pour centre le menhir des pontiles et un rayon déterminé par le M de la date, 1681, soit 1000 toises. Comment y accéder Se rendre au pont romain de Serres, devant la balise. Longitude 2 degrés 19 minutes 26 secondes 7 et suivre la ligne méridienne en montant les pentes du mont Cardou jusqu'au D, pierre pipédique qui désigne l'entrée. Nous constatons la présence de 3X, de 3A, de 3E, de 3R et de 3D, DE alignés. Le secret des lettres, qui confirme celui du codex Bézaé, nous livre le message suivant répété trois fois X pour Christ, A pour Alpha, E pour EST, R pour AIRE, D pour le D. Le Christ Alpha est à l'air du D. J'en profiterai au passage. Pour saluer tous les visiteurs du présent et du futur qui se reconnaîtront. Le commencement et la fin. J'ai publié pour la première fois dans ma quête du Graal en octobre 2004 la carte de la Nouvelle Jérusalem et l'emplacement du tombeau du Christ en A2. Dans mon édition du 2 mai 2008 de Jésus-Christ Barabbas, j'ai rapporté mon expédition souterraine d'octobre 2007 sur les pentes du Cardou au-dessus du village de Serres. Et j'ai même montré la photo du dé qui masque l'entrée. S'agit-il d'un rêve ou de la réalité De quelle ère s'agit-il Aujourd'hui, les temps ont changé. Des forestiers ont retourné le sol et une végétation luxuriante a poussé. Celui que les mendéens appelaient Christ le menteur ou Christ le tricheur, l'imposteur pseudo-ressuscité Jésus Barabbas, dort en paix. Ses eaux blanchies reposent pour l'éternité. Il fut aussi désigné comme la pierre de l'angle, l'arc de la guerre, le piquet de l'attente. Et il déclara Je suis venu comme à la pierre de l'angle, et vous m'avez rejeté. Je reviendrai comme à la principale. Et soudain, je compris le sens de la plus célèbre formule connue des alchimistes et des francs-maçons visita, intériora, terre, Rectificandoc in venis occultum lapidem, qui signifie ⁇ Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La pierre de l'angle, qui était aussi la principale, était la pierre cachée. Il fallait encore une fois appliquer le secret du R, comme sur le tableau de Poussin, et remplacer rectificando par un autre mot commençant par R, comme rédé. Cela donne, visite l'intérieur de la terre doréde et tu trouveras la pierre cachée. Visita interiora terra rede in venias occultum lapidem, qui est l'acronyme de vitriol.